ça reste fun. Je rage beaucoup, je suis très tendu. Mais je m'éclate quand même. En 2150, suite à la perte de communication entre la Terre et les différents complexes de Mars, le docteur Samuel Eden, directeur de l'UAC, refit soudain en surface sur Terre devant le Conseil des Nains. Son torse robotique ayant été récupéré par des soldats de l'Arc, Samuel est désormais soigné et surveillé par une équipe réduite de scientifiques. Ah, eux, ils avalent pas, eux, par contre. Ah, t'avales pas, toi. Wow, j'ai traversé plusieurs... Qu'est-ce qui se passe, Chou? Non, j'avais pas prévu. Berserker! Trop bien. Un petit peu déçu. Je m'attendais à ce que ce soit... Ouais, mais bon, je m'attendais à ce que ce soit un énorme jet, quoi. Coucou. Raté. Coucou. Comment ça, je n'ai eu qu'un seul? Eh, pourquoi? What the fuck? Ça commence déjà, je suis coincé. Aïe. En plein dans ma gueule. Attendez, les gars. Attendez. Munitions. Et... Double shotgun. Qu'est-ce qu'on a ici? Merci. Batterie gratuite. C'est vraiment donné, là. Est-ce que tu me caches d'autres trucs ou est-ce que c'est juste la batterie qu'il y avait ici? Sérieux, c'était quelque chose de caché. Trop drôle. Alors... Bon, aujourd'hui, on va essayer de moins chier le truc. Je vais essayer aussi... Nos amis transdimensionnels ne fouleront pas un sol impie. La Terre doit être purifiée. Purifiée. Ok. Purifiée dans le sens... corrompu pour les... pour les démons ou purifiée dans le sens vraiment purifiée? Est un privilège. Ouais, non, d'accord, ok, c'est corrompu pour... Ok, purifié dans ce sens-là. Dans l'autre sens, en fait. Donc, du coup, je vais faire en sorte de tourner plus souvent, là, sur les Dooms, histoire de ne pas perdre la mémoire, les réflexes. Dans les mains, pour le moment, j'étais limité en place, malheureusement, donc il fallait que je monte impérativement. Là, j'ai dégagé un peu le disque dur. Je devrais pouvoir jouer beaucoup plus souvent, et donc, du coup, pouvoir avancer sans... Ça se chie dans la... colle. Non, merci. Et toi aussi, tu restes... Hop. Il y en a un autre derrière, moi, je crois. Je vous avais entendu, les mecs. Eh, dis donc. Tu sors d'où, toi? Mais... Des fois, ils sortent de n'importe où, les mecs. Attendez. Je n'ai plus de munitions. Pinky! Ah oui, autre chose. Je me suis aperçu. Attendez. Et je plouch. Ah, oh non, merde, il remonte. Je m'y attendais pas, bon, il est mort. Je me suis aperçu notamment que... Enfin, je me suis pas aperçu, mais je me suis rappelé, du coup, en voyant les images, que d'avoir l'arbalète, notamment, en module secondaire, excusez-moi, je suis en train de chercher mes mots, ça peut être... Ouh. Bah, tiens, il y a un jeton derrière. Ça va être extrêmement... Enfin, de plus en plus, plus je vais avancer dans le jeu, plus je pense que je vais falloir que je choisisse vraiment des armes spécialisées dans certaines créatures. Parce que si j'ai plus de Doloris après, notamment, ça va être chaud. Ça va être chaud et je vais avoir besoin de l'arbalète. Donc je pense, à mon avis, il va falloir que je m'habitue de switcher d'une arme à l'autre. Il y en a un autre derrière. Attendez. Ah, merde. J'avais pas prévu. Fuck. Wow. Crap. J'aime pas... Oh! Comment j'ai fait ça? Attendez, par contre... En défi, c'était quoi qui me restait? Ah oui, c'était les... Ah non, c'était les runes seulement, je croyais que c'était des disques. Hop. Donne-moi ça, donne-moi le jus. Hop là. Il va falloir que je récupère aussi de l'armure. Donc le prochain là, que je coupe en deux. Ah, ils aiment bien leurs trous là. Non. Moi j'aime pas les trous comme ça. J'ai l'impression de rater à chaque fois. Là-bas, vous voyez, il y a une rune. Ah oui, et j'ai raté... Oh non, j'ai raté un codex derrière. Attendez.
La destruction des sources d'argent sur Mars se traduisit par un chaos généralisé sur la planète Terre. Suite à la perte de communication entre la Terre et les complexes de Mars, l'effondrement de l'énergie argent plongea la planète dans une crise sans précédent. C'est à la même époque que le docteur Samuel Hayden, le directeur de l'UAC, refit surface sur Terre, on sait blablabla, avec un objet qui pouvait offrir le creuset. Là là là, on l'avait vu dans un précédent texte, je sais pas pourquoi ils le remettent. Après avoir raconté ce qui s'était passé sur la planète rouge, Hayden acceptait de coopérer avec l'ENA, ok d'accord. Ouais, ben on sait. La dernière source d'argent... Ah, le creuset, c'est la dernière source d'énergie argent fonctionnelle. Intéressant. Ou par contre, j'ai plus que 56 points de vie. Ça pue du fion. Attendez les gars. Boah, Pinky meurt. Ouh, surchauffe, merde. Attends mon gros. Boah. Ah. Voilà. La mitrailleuse est plutôt efficace. On va mettre l'autre module. On va reprendre des munitions, évidemment. Est-ce que j'ai encore... Oui, j'en ai encore un. Parfait. Donc là, il faut... pour aujourd'hui, en plus d'avancer dans l'histoire, mon but, ça va être... Hop là. Alors, on va vérifier qu'on ait bien tout. Mon but, ça va être essentiellement d'apprendre à changer des modules régulièrement. En cours de combat, notamment. N'importe, on prend celui-là. Allez hop, débloqué. Plus que deux runes à débloquer. Le jeu débloque à l'arrache, je regarde pas parce que... Finalement, je change pas les runes. Elles sont très bien celles que j'ai, donc. Hop 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 hop, mon petit gars là. Tu vas attendre ton tour. Fais pas chier. Coucou. Oh la Mancubus. Oh le Mancubus, c'est pas la Mancubus. Allez, c'est parti. Je sens que je vais souffrir sur cette partie-là. Oh, raté. Attends, qui me tire dessus? Toi. Couché. Wow. Trop juste. Alors, voyons voir. On a où? Là où il y a un truc. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Boum! Dans ton cul! Elle est où? Il est où? Attends. Je sais pas ce que c'est que c'est... Ah, c'est surcharge, mais je sais pas ce que ça fait la surcharge. Non. Voilà. Et dis donc, profite pas. Oh, dis donc, oui. Cram. Voilà. Oh, parfait. Et il va faire prout. Mission faible, t'inquiète. Boum. Oh là, couché. Voilà. Il me faut munitions. Y'a le mon gros. Bam. Ah merde, il y en a un. Ah, il y a un de ces foutus connards. Splooch. Oh. Chevalier. Y'en a mon petit chevalier. Attendez, on va se préparer à devoir. Boing, explosé. Wow, dis donc. Ah, merci. Utilisez aussi plus souvent le crasher, parce que mine de rien, c'est très utile. Toi, tu vas mourir. Il y a l'amoureux. Oh non, il est mort trop vite. J'ai besoin de munitions. Arrêtez de mourir, les mecs. J'ai besoin de munitions, j'ai dit. Arrêtez de mourir. Ah. Pinky. Oh non, pas elle. Va mourir. Va mourir. Oh putain. Ça aussi, faut que je utilise ce module. Ah. Oh merde. Vite. Voilà, parfait. Viens là. Donne-moi ton jus. Oh non, elle s'est barrée. Y'a. Butch. Et schlac, la tête. Ah, j'adore. Ce jeu est excellent. J'arrête pas de le dire, je sais. Ne m'en voulez pas. Si je m'amuse. Oh. Par contre, il est où le Pinky? Aïe. Dans toi. Ah merde, j'ai vraiment plus de munitions. C'est vraiment la merde. C'est vraiment la dèche.
Dis donc. Oula, 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 oula. Attends, j'ai besoin. Voilà, merci. J'ai dit. Ouh. Ouh, il a mangé le Pinky. Toi aussi, tu vas manger. Tu vas manger. Ah, il y a un deuxième Pinky. Merde. Ouh, ouh, ouh. D'accord. Il me faut maîtresse. C'est pas mal, je pense. Le problème, c'est que j'ai les petits là qui vont m'emmerder. Vite, 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 vite. M'échapper du Pinky. Il faut que je m'éloigne de lui. Je m'éloigne de lui. Wow. Hey, il est déjà là, Lilo, ouais. Voilà, parfait. Non, attends. Toi, munitions. Pensez aux munitions. Qu'est-ce qui reste? Il y a encore qui? Ah, attendez. Je t'ai vu. Non, non, c'est pas le bon, c'est pas le bon module. Ah, ah. Ouh, j'en ai eu un. Merde, j'ai pas eu l'autre par contre. Come at me, bro. Oh non, trop vite. Oh là là, bordel. Elle est trop bien, mitreuse, mais qu'est-ce que je l'ai tue trop vite. Je vais pas dire que c'est horrible, mais un petit peu quand même. Et... j'ai dit bleh. Voilà. Là, il m'en manque un. L'heure des tourelles. Oh, fait chier. Il m'en manque un. Je sais même pas d'ailleurs ce que ça va débloquer comme truc spécial. Faudrait que je vérifie. Je doum 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 doum. Attendez, on va vérifier tout de suite. La tourelle mobile ne se bloque plus. Ah oui, mais il faut que j'ai acheté toutes les améliorations. Attendez, ça. Ah merde, il me manque un point pour la deuxième amélioration. Ce ne se bloque plus, ce serait bien. Et il me manque un point. Donc s'il faut que je réussisse un autre affrontement. Parce que je suis à 7 sur 10. Il me manquait 3. Je crois qu'il y a... Ah oui, c'est ça, il y a encore un affrontement secret. Là, on a tout. Donc maintenant, il faut qu'on redescende ici. Et déverrouiller. Bah, j'ai tué tout le monde. Oh, putain, il m'a fait peur. La vache. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais. Ouais, aïe, 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 aïe. Ça fait mal, ces trucs. Tirer avec la tourelle OSOS, ouais, je sais, mec. Y'a là, mon gros. Coucou. Headshot. Tu comptes venir ou... Attends, c'est quoi le mieux pour lui? Peut-être... Peut-être le snipe. Attends, mec. Non. Attendez, 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 attendez. Cyber mon cubus, attendez. Je vais essayer de la jouer stratégique aussi, hein, comme je l'ai dit. Cyber mon cubus... Cyber mon cubus... Le point faible, astuce, la frappe sanglante permet de lui infliger d'énormes dégâts et de détruire son armure. Ah, ça c'est très très bon. Canon des bras sont renforcés, ne peuvent pas être détruits par de simples dégâts. Une glory kill effectuée au niveau du torse déclenchera une explosion, donc comme l'autre. Mais il faut que je lui fasse, d'accord, ok. Donc, j'ai une frappe sanglante. Donc si je lui fais un... BOUM. Je l'ai démonté. Ah, je l'ai en fait tué carrément, d'accord. Je ne m'y attendais pas. Bon, bah écoutez. C'est tout? Il fallait que j'aille là. Ah, parce qu'il m'a fait un petit trou. Une petite orifice. Oh non, pas là. Ah. Ah non, pas dans ces trucs-là. Forge. Bonjour, messieurs. Aïe. Dis donc, dis donc. Merde. Oh, le con. Ah, mais... Bien sûr. Je t'en prie. Ça c'est efficace contre lui. Allez, allez, allez. Donne-moi ton... Non, bon, bah tant pis, je voulais... Tuer 5 démons massifs, je... Je voulais son jus. Ah, bordel. Qu'est-ce qu'elle me saoule. Et puis ses tentacules, c'est vraiment pénible. Ça va, les gars? Attendez, j'arrive, hein. Voilà, parfait. Non. J'ai dit non. Oh oh. Oh oh, I'm gonna die. Ah, je t'ai trollé. Y'a là. Oh 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 oh. C'est bon, je l'ai eu. Putain, le stress. Le stress, le stress. Attendez, regardons. À part le générateur, il me faut rien. Et honnêtement, hop, oh, bah il vient à moi. Bon bah nickel. J'avais besoin de munitions, c'est parfait. Ah non, mais...
Ah, oh, c'est pas possible. Bon. Voilà. Point de passage atteint. Ces passages, c'est vraiment de la merde. Bonjour, messieurs. Excuse-moi de te déranger, hein. Il y en a un derrière moi, je me méfie. Boum. Oh non. Je voulais son glory kill. Mec, je suis là. En plein dans la poire. Waouh, j'avais traversé, mec. Oh, c'est dégueulasse. Par contre, c'est vrai que ça change beaucoup du premier, ces couloirs très 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 étroits. Parce que, enfin, le précédent, encore une fois, quand je parle du premier, je parle du précédent jeu, hein. Pas du premier Doom. Ah, c'est vrai que dans le précédent, les... Oh, oh. Non, je voulais... Ah, il n'y a plus. Excusez-moi, je suis désolé. Hé hey. Hé hey. De jeu. Wow, 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 wow. Le précédent avait des... C'était pas aussi étroit, en fait, sur Mars. Alors là, attention, j'ai une vie, j'ai un truc secret. Alors attendez, il faut que j'aille à gauche, d'abord. Non, 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 je voulais l'autre. Bon, bah tant pis. Oh, coucou, j'ai la bonne arme pour toi. Schlouch. Voilà. Assez verrouillé. Assez verrouillé. Il doit y avoir un moyen de déverrouiller quelconque. Peut-être par ici. Attendez. Voyons voir. Tout, 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 tout. Pup. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça a validé? Non, là c'est rouge. Boung. Boung. Ok. Ok, si c'est bon. Ah, secret. Qu'est-ce que là? Qu'est-ce qu'on a ici? Partie 2. Alors, voyons voir. Pensant pouvoir résoudre la crise énergétique qui avait dévasté la planète, le docteur Eden mit au point une méthode de synthèse d'argent. Une reproduction synthétique pouvant recréer les capacités à haut rendement de l'énergie argent. Avec la disparition de cette dernière dans tout le système solaire, le seul argent qui restait se trouvait dans le creuset. Le célèbre artefact de l'enfer acquis par le docteur Eden... Non, il l'a volé. S'il te plaît, c'est moi qui l'ai acquis. Sur Mars, bien conscient de la puissance cachée du creuset, Samuel inventa une méthode pour utiliser l'artefact comme conducteur d'argent. Un procédé qui permettrait de fabriquer de l'argent synthétique et de restaurer la production d'énergie argent sur Terre. Le mec, il était obsédé. Déjà, dans le précédent, il voulait pas que je pète l'énergie argent pour pouvoir continuer à en avoir. Et là, il recommence alors que ça a foutu la merde déjà sur Mars. Eden devint une sorte de personnage mythique parmi les survivants terriens et pas seulement en raison de sa condition physique. Être revenu sur Terre alors que d'autres avaient cherché à fuir, avoir apporté le creuset qui offrirait une seconde chance. Légendaire, mais quel enfoiré! Il a tout piqué, il m'a piqué la gloire. Le mec a rien foutu. En plus, il voulait continuer d'utiliser l'énergie argent alors que c'était un truc complètement dangereux. Il revient sur Terre et puis il s'est fait autoproclamer héros. Ce mec, je vous jure, je le bute. Comment je fais pour y aller par contre là? Non, c'est bon, c'est bon. Ça passe. One up. Vie supplémentaire. Alors, ici, on a un petit affrontement secret. Le truc, c'est qu'on sait pas encore. Oh yes! Quake 2, Quake Mage. Quad Machine. Cool, j'adore. Par contre, j'avais pas vu que j'avais un secret ici. C'est cool. J'ai même pas fait gaffe, vous voyez. Il me reste combien de secrets? Il me reste plus que deux secrets. Qui sont au-dessus. Eh eh, cool. Donc là, la question est... mitrailleuse, je vais la prendre. Je vais peut-être placer sur la baliste. La baliste, c'est peut-être la technique la plus sympa. Le problème, c'est que si je perds une munition, je pourrais pas en retrouver. On va essayer. Et... Boum! Coupé. Hop, attends. Non. Oh putain, vite. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Faut vraiment utiliser les bonnes techniques au bon moment. Et donc là, j'ai reçu un point en plus. Ce qui veut dire que je peux débloquer tout de suite. Puisque on a vu la mitrailleuse lourde. La tourelle mobile est excessivement bonne. La mitrailleuse rapide pour augmenter la vitesse de déplacement. Qui veut se prendre de la tourelle dans le cul? Ah, je vais pouvoir tirer. C'est parti. Wouah.
ouvrons la porte. Level 3, level 2. Normalement, ça doit être la deuxième tourelle qu'on utilise. Point d'interrogation. Maybe. Ah oui. Let's go. Verrouillé, système connecté. Pourquoi verrouillé? C'est déverrouillé. Justement. Et... Un instant. Non. Activation manuelle réussie. Ah, je préfère. C'est mieux. La voie est désormais libre. Vous pouvez accéder à l'avant-poste du Dr. Hayden. Je sais pas ce qu'on va pouvoir trouver parce que il est supposément mort. Ok, entrée dans la base de Sammy. Ça va m'amener juste devant, je pense. Et c'est là que ça va chier des bulles. Attendez. Si on regarde... Je prévois le plan avant. Je peux pas déplacer la caméra pour dézoom, pour descendre. J'ai l'impression qu'il y a un accès... On va voir. Ok. J'essaie de visualiser, de mémoriser la carte avant pour pas revenir 30 fois dessus. Mais je crois que de toute façon... Nous n'y couperons pas, ce cher Narm a une mémoire de poisson rouge. Et ce cher Narm a besoin de retourner régulièrement sur la carte pour pouvoir débloquer tous les secrets. Parce que comme ça, on a tous les bouts d'histoire, on a tous les bouts d'informations. Et là, ça va chauffer, alors. Je vais peut-être pouvoir faire mon truc avec la mitraillette. Wow, 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 pop, pop. Non, 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 couché. Couché, j'ai dit, couché, couché. Oh, oh, surchauffe. Aïe aïe aïe. Est-ce que c'est bon, il y en a d'autres? Merci. Pas du tout stressant. Hop 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 hop. Encore plus stressant. Wow wow wow, putain, je vais crever. Attention. Je vais utiliser la bonne vieille technique de la paralysie. Allez, meurs. Voilà, parfait. C'est tout? C'est tout? Ok, facile. Armure, oh putain, ça, ça veut dire que ça va chauffer violent. Bonjour messieurs. Hop hop hop, et dis donc. Je t'ai pas autorisé là. Attends. Butch. What? Ah bon bah je vais mourir. Ah bah non, je suis pas mort. J'ai perdu une vie connement. C'est encore pire. Non, pas la tête. Toi, non. Oh, 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 oh. Voilà, il s'est fait exploser. Là-bas, là-bas, de l'armure. Merci. Waouh, waouh, tout ça, attendez. Slash. Ah. Poké dans les yeux. Par contre, j'ai toujours normalement. Voilà. Toi, je savais que je t'avais encore. Ah merde, attends. Hop, il y a l'autre fouet. Non. Tu te gèles. Tu me fais pas chier. Crève. Non, tu l'as tué. Il est pas mort lui. Je déteste quand ils se tuent entre eux. Ça me ruine mon plaisir. Viens là toi. Tu vas prendre pour tous les autres. Ceci étant dit, j'ai besoin de maudition. J'aime bien la musique qui s'affole encore. Un secret ou et un bout d'histoire. J'espère qu'on va l'entendre avec la musique. Richardson. Entrée de journal 006. 9 février 2163. Ils ne craignent qu'une seule chose. Lui. Avec la musique derrière. Nous avons assisté impuissants à l'avancée de leur horde contre les machines et les armes les plus sophistiquées que nous pouvions leur opposer. Ils étaient trop rapides et ne se souciaient pas de leur propre sécurité. Ah non. Seul leur importait le sang des humains. Ils étaient prêts à se sacrifier pour atteindre le cœur de notre monde. Nous en avons massacré des milliers. Et des millions d'entre eux se dressaient pour prendre leur place. Jusqu'à sa venue. Il s'est abattu sur eux comme la faucille sur les blés. Et notre rage pâlissait face à la sienne. Il est plus rapide. Pitoyable. Oups. Je commence à croire qu'il est plus qu'un homme. Il est... la mort. Je crois que... le docteur Elena est amoureuse du Dome Guy. Enfin, du Doom Slayer, pardon. Et le deuxième CD. Yeah. Quake 3 intro. Yes. Il est la mort. L'ange de l'extermination. Le vengeur masqué.
le Hulk de l'univers. De... Attends, attends, ça c'est idéal. Boum! En plein dans ta poire. Hop, hop, hop. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Pourquoi j'ai que 8 munitions? Ah oui, parce que c'est vrai que j'ai pas rechargé. Ah, je déteste leur putain de... Ah là là, je vais crever. Ah quoi? Quoi, quoi, quoi? Attends, attends, toi, viens là. Oh, plein sur ta queue. Toi, tu vas faire un boum boum. Que boum boum. Comment ça, ça l'a pas touché? Eh, dis-nous! Atatatatata. Bouf! Et de deux. Y'a l'amoureux. Non! Non! J'ai eu mon point d'arme, ouais, mais. J'ai arrêté le conflit, mais je voulais. Oh, c'est dégueulasse. Je voulais récupérer des munitions. Donne-moi ton jeton! M'énerve. Point d'armure Praetor. Et j'ai tout normalement que j'ai trouvé. Oh ouais. Ceci étant dit, je suis pas à 10 sur 10. Je devrais être à 10. Ah mais parce que le dernier conflit est tout en haut. Tout en haut avec les petits démons, je pense. Et donc, Aiden, baby. Ouh, je vais me préparer quand même. C'est pas parce qu'il n'y a pas de zone de conflit que ça va pas saigner. Alerte à tous les employés de l'arc. Wow, 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 direct, lui il m'a pas vu, mais il m'a direct en balancé. Ah! Boop! Voilà. Quick damage, je t'ai vu. Non, 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 toi. Voilà, lui il a perdu les deux. Alors par contre, là je suis un peu dans le caca. Merde, non, je voulais, vite. Donne-moi ta vie. Ah, bordel. Deux cacahuètes. Et il me faut... Oh, allez, vas-y. Allez. Maîtrise de la tourelle. Ouais, vas-y, explose. Oh, trop bon. Ah non, heureusement que je l'ai raté. Je voulais les... je voulais récupérer les munitions. Je pense que j'ai pas besoin de m'attendre... Enfin, de m'arrêter ici. Je pense que je peux avancer. Pointe, hein. La prochaine prochain endroit à nettoyer, c'est tout en haut. Ici le docteur Elena Richardson. Entrée de journal 007. 3 mars 2163. Notre salut repose sur lui. Oui. Car à mesure que sa force croît, leur nombre ne cesse de chuter. Évidemment. Les prêtres commandent leurs armées au nord et au sud, mais ils dictent le rythme du combat. Enfin, si c'était vraiment le cas... Ils résident au sein du cercle intérieur de la mort. Et les traque jusqu'aux confins de la Terre et au-delà. Je suis une croyante désormais. J'ai foi en la mort. Le Slayer est la lance qui frappe nos assaillants en plein cœur. Que ceux qui cherchent à nous nuire prennent garde. Car il n'existe qu'une seule forme de vie supérieure dans cet univers. Et elle manie une épée de vengeance au canon d'acier. Que tous prêtent allégeance au destructeur. Le temps du Slayer est venu. Oh, moi aussi je t'aime. En fait, j'étais en train de me dire, c'est vachement redondant quand même, ces audios avec elle qui est en train de parler par rapport au Slayer, mais en fait je comprends. C'est en train de nous pointer qu'il y a nouveau, là où tous les autres ont créé un culte autour des démons, il y a un nouveau culte qui émerge, le culte du Slayer, très certainement. C'est très intéressant, pour le coup. Parce que c'est complètement... différent d'une certaine manière, tu t'attends à ce que tout le monde vénère en quelque sorte la puissance des démons, qui est la puissance la plus évidente, alors qu'elle, elle a bien compris que le Slayer... Mais lui, il a peut-être pas envie de se faire vénérer, c'est ça le truc. Le Slayer, lui, il est juste là pour massacrer du démon, il a pas envie d'avoir des gens qui sont là en train de... d'être derrière lui et faire « Oh, 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 oh » comme ça. Ok, alors là les gars, ça va saigner. Qu'est-ce qu'on prend, la baliste en premier ? La baliste. Parti. C'est parti ? Non ? C'est pas parti ? Par où je vais ? Là, a priori, ah. Évidemment, il fallait que j'appuie sur... Le laboratoire du docteur Hayden se trouve au dernier étage du bâtiment. Attention, les protocoles... Ah oui, c'est l'énergie argent.
veuillez quitter le bâtiment immédiatement. Ah shit. Oh scheisse. Bonjour messieurs. Dieu. Le docteur Hayden était convaincu que vous finiriez par venir. Bah oui, parce que c'est une petite qui m'a trahi. Le creuset. Ouh, yes. Cassez-vous, les petits. Est-ce que je peux vous dire que c'est un honneur pour moi de vous rencontrer enfin en personne? T'as conscience que je vais le démonter, Hayden, une fois qu'il m'aura donné l'information. Enfin, il nous a quand même trahi, l'enfoiré. Attention, les protocoles d'alerte ont été activés. Veuillez quitter le bâtiment immédiatement. Tiens, tiens. Alors, t'aurais pas dû m'enfermer. On ne sait pas comment accéder au cortex principal. Tout est alien. On n'y comprend rien. Nous devons le Doom Slayer, il sait. Délicate extraction, selon des ordres très spécifiques. Délicate. Voilà. Son signal vital est à peine lisible. C'est dommage. Hop, 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 hop. Je le fourre où? Oh. Bonjour. Oh, punaise. Eh, mais attends, c'est pas l'armure. Mais si, il a le truc et tout, c'est une armure de sentinelle, ça. Est-ce que c'est une ancienne sentinelle? J'ouvre maintenant le portail. Qui a été doomifié? C'est une sentinelle! Une fausse idole. Mes yeux sont grands ouverts. What the fuck? Laisse-moi t'aider à voir, Slayer. C'est moi qui vais t'ouvrir en deux. Wow, 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 wow. Toi aussi tu peux faire ça? Attends, mon grand. J'ai quelque chose pour toi. Wow! Je vais me le manger, ça. Joli loup. Oh, oh, oh. Attends, attends. J'ai besoin de ça. Oh, merci. Oh, faut que je passe derrière lui. Oh, oh, oh. Comment je fais pour l'atteindre? Comment je fais pour l'atteindre? Attends, 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 attends. Il me faut lance-croquette. Ça, mon gars, tu vas pas pouvoir. Oh, bim, en plein dans ta poire. Tu l'as senti passer, celle-là? Ah! Tu peux pas m'avoir, je suis trop rapide! Viens, mon gros! Hop, elle a raté! Moi aussi, je peux faire ça, t'as vu ça? Attends, on va changer de module. Peut-être que si je mets ça... Merde, j'en ai eu plus! Fuck! Raté! Attends, j'ai besoin de sang. Crame. Crame ma cochon. Wow, wow. Wow, wow. Attends, 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 attends. Ah, enfoiré. Attends, attends, attends. Comment je peux faire? Comment je peux me démerder? What the fuck? Dès que je... Oh la vache, je vais crever. Ah, je sais. Et si je fais... BAM! What? Comment ça, ça n'a pas marché? Oh, bim! Ah, je suis mort, mais... Attendez, 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 attendez... Il me... Watch, il m'a fait mal. Quand il charge, en fait... Aïe. J'ai pigé comment l'avoir. C'est pas si compliqué que ça, c'est plus chiant quand il y a plein de monde autour. Il est pas évident du tout, pépère. Alerte. Aïe. À tous les employés de l'arc. Les non-morts vont pénétrer le complexe. Je pense que je peux l'avoir deux fois. Quand je le sonne. Voilà. Tac. Avec la balise, ça se fait très très vite. Finalement, pas si dur que ça. What? What? Ils sont tous morts. Oh. Pas si dur que ça, mais c'est juste que quand en fait il fait son truc vert, si vous voulez, l'astuce, c'est vous le tirez une première fois, ça lui fait des dégâts et il est sonné, et une deuxième fois, on peut lui relancer un coup de dégâts. J'bong, j'bong, et j'bong. Oh, ce résumé de fin à chaque fois, c'est plaisant. Donne-moi
Doum, doum, doum. Défi. Normalement, j'ai mes 3, ouais. 25. Récompense. On s'en fout. Maintenir. On dégage. Sauvegarde. Code de triche, astuce de progression. Mais je trouve qu'il est plutôt équilibré comme, comme adversaire, le maraudeur. Plutôt intéressant à affronter. J'apprécie. Vous avez détruit 68% des forces d'occupation de l'enfer. C'est tout ? Sans les prêtres, les démons ne consumeront pas la terre comme prévu par la Canmaker. Pas beaucoup, 68%. Mais il reste encore un prêtre, et j'ai perdu son signal. Impossible de le localiser. Le docteur Hayden le trouvera. Le docteur Hayden se transfère en l'unité centrale de votre vaisseau. Comment ça ? L'architecture est similaire à la sienne. Cela permettra... Le dernier prêtre se cache dans Sentinel Prime. La Canmaker veut éviter qu'on le trouve facilement. Le seul accès fonctionnel à Sentinel Prime est le noyau de Mars, dans la cité perdue des bêtes. Cité perdue sur Mars? What? J'ai indiqué une des cités des Sentinelles, peut-être. Il n'existe aucun accès simple pour atteindre le noyau de Mars. Docteur Hayden, il n'existe absolument aucun accès connu. BFG. Le BFG-10000, conçu par le docteur Samuel Hayden pour intégrer le réseau de défense anti-démon. Oh oui. Donne. Recherche en cours des coordonnées du BFG-10000. Pourquoi tu comprends ? On va faire un trou ? On ne peut pas si facilement faire un trou comme ça à la surface de Mars. C'est ça, on va faire un trou. Oh. Alors ça, mon gars ? Tu vas voir, je suis sûr qu'on va faire un très gros trou. Sale traître. Marrant qu'on n'ait pas de, une petite discussion quand même. Moi, j'attends toujours de voir pourquoi. Enfin, on sait, on se doute pourquoi il a trahi, il nous a trahi, mais... Pourquoi le Doomguy ne réagit pas, quoi? Il devrait réagir, mec. Allez, F. Boing. Bon. Ah, journal de diffusion, on en a un autre. Ceci est une diffusion de l'Arc. D'après les témoignages des membres de l'Arc, le Slayer est parvenu jusqu'à la tour du Dr. Hayden et a récupéré sa dépouille. Nous ne savons pas pourquoi. Des sources anonymes au sein de l'organisation prétendent que le Dr. Hayden avait prévu la venue du Slayer, mais nous ne pouvons qu'espérer que cela ait été bien le cas et que la résistance survivra. Je m'en tape tant que moi je survis et que mes frères sentinelles survivent aussi. On s'en fout des humains. Ils sont faibles et pitoyables. Donc noyau de Mars, oh ça va être classe, on va tirer vraiment le BFG 10000 dans Mars. Ça va être cool ça. Ça va être très très cool, bonjour messieurs. Ils sont en approche du BFG 10000. Comment ils ont deviné? Bonjour. Eh oui, c'est moi. Moi. C'est intéressant, ceci dit, qu'on voit la partie avec des vrais humains qui soient encore là. Bah, les résistants, en fait. C'est cool. Donne-moi ta clé. T'as un joli collier, dis-moi. J'adore. C'est excellent. Le Doom Slayer qui est vraiment là en mode... Les gars, vous laissez passer. Hey, vous êtes qui ? Vous pouvez pas ? Pour toi, tu vas t'en prendre une. Hein. T'es sûr de toi? Tu es sûr de toi? Regarde-moi dans les yeux. Oh, t'as un joli chouet. J'adore. C'est totalement assumé le côté Slayer, c'est un gros bourrin. C'est quoi ça? Pourquoi il... Ok, pourquoi? Je peux pas tirer? C'est une nouvelle arme ? Je pense que la source d'énergie du BFG 10000 devrait aussi vous intéresser. Tu supposes bien, mon petit Samy. Alerte. Le Slayer est présent. Pourquoi alerte ? Wow. Pourquoi c'est bleuté ? Pourquoi c'est violet ? Ah non, c'est bleuté. Écoute, je croyais que ça avait changé de couleur. Alerte. Bon. Oh, j'avais jamais fait celui-là. Tire. Tire quoi ? Alors ici, pas de secret, pas de secret. Let's go! Chut chut, couché.
Fais silence, femme. Donne-moi des munitions. Hop là, et de l'armure. Et toi, tu te couches. Bah. Merci, Mook. Merci, Mook. Il y a un truc ici. Secret. Secret, pas secret. Dis donc, couchez-toi. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette arme en fait. Il y avait un truc spécial, non? Même pas. Oups. Tire. Et dis donc, je t'ai vu toi. Comment ça? Mais tu vas... Voilà. Oh. J'adore. Non, ça j'adore pas. Ça j'adore pas. Attends, attends. Voilà, parfait. C'est vrai qu'il faut que je fasse toujours ce défi là. C'est bon, t'es mort? T'es calmé? J'ai rien raté, j'ai rien raté. Let's go! Il tire sur quoi? Wow! Bonjour! J'avais pas prévu. Oh putain. Attends, attends, viens là toi. Et hop là. Attends, il y en a un dernier. Et un petit dernier, non? J'ai cru en entendre un. Couiner. Ça devait être celui que je... Ouh, téléportation. Ça devait être celui que j'avais tué à la main. Bonjour. Oh, c'est un gros. Oh, mon gros. Meurs. Oh, putain. Non. Je dis non. Allez. Explose. Fais plaisir. Voilà, merci, ça m'a fait plaisir. Donne ça. Et toi? Ah, le crasher n'est pas prêt. Merde. Je pensais lui mettre un coup de crasher, mais j'ai pas pu. Pourquoi il est pas prêt, mon cheval? Ah. Pourtant, il était prêt, là. C'est quoi cette arnaque? Donc maintenant, on a les nouveaux... Les nouveaux démons, ça va devenir un peu tendu du string. Nouvelle rune ici. Rune cadeau. Cool. Je prends. On va débloquer ça. Boum. Du coup, plus qu'une rune à débloquer. Et la puissance sera à moi. Oh, j'ai déjà la puissance. Ceci dit. Touc. Par contre, ils aiment bien me faire pop des... Ok, cool. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Alerte. Ah, il y a de la musique. Cool. Pourquoi ils... Waouh. Ils tirent sur quoi? Pourquoi ils continuent de se battre entre eux, bordel? Et dis donc, toi, t'es pas censé... Oh, plein dans ma poire. Oh non, merde. Ah. Putain, je croyais que c'était un petit... Faut vraiment que j'arrive à faire ce putain de défi. Merde, j'ai pas réussi à l'avoir. Fuck. Attends, le caco. D'abord. Dis donc, ouais. Avale. Comment ça, t'avales pas? C'est nouveau, ça. Ah. J'ai la vie. Boum. Dis donc. Je vais prendre le fusil plasma, du coup. Oh la vache. Les tirs du BFG. Impressionnant. Merci pour les munitions. Hop. Toi, tu vas mourir. Et j'en ai vu un derrière moi. Voilà. Oh. Comment ça, tu pop direct, toi? Ah. Je sais, il faut que d'abord que je m'occupe de l'autre. Du gros, pour tous les éliminer. Non, je voulais l'autre. Oh. Eh, mon cubus de mes cacahuètes. Allez. Ah oui, c'est vrai que c'est renforcé. Ça sert à rien que je fasse ça. Par contre, on va prendre la baliste et pop. Et boum, headshot. Alors, deux. Lui dis non. Rejoins le BFG. Attends, j'ai cru que je l'avais tué. J'ai eu peur. Oui, des fois je suis un homme sensible aussi. Ça me traumatise quand je les tue. Je n'aime pas ça. Je préfère les garder en vie. Coucou. Au revoir. À la prochaine. Quelque chose ici. Oh oui, vous voyez pourquoi je regarde souvent.
J'ai failli rater un petit bonus. Par où je dois passer? Peut-être par ici. Ah merde, on m'a enfermé, fait chier. Bon bah écoutez, par là. Coucou. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Ah ça y est, on va avoir des gros. On va changer et boing. On sait que toi il t'en faut deux. A priori. Voilà c'est ça, deux. Toi t'es mort. Il y en a un autre. Ah non, il y a encore des âmes perdues. Ah, il y a un gros. J'ai vu. Oh la vache, c'est trop bien. Je peux me déplacer beaucoup plus facilement. Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Missile en approche. Pourquoi missile en approche? Oh, ça faisait trop longtemps que je t'avais pas eu, toi. Je suis content de te voir. Wow, 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 wow. Attends, il faut que j'aille voir les potes là-bas. Munition. Hop là, distribution. Eh dis donc. Oh la vache. Attatatatatata. Ok. Eux ils sont morts. Donnez-moi. Oh non, ils sont pas morts, tiens. Voilà, là ils sont morts. Merci mec. Oh, j'ai dit non. Ok, maintenant je m'occupe de l'autre. Ouais, je sais, mais attends. Ah, bordel. Est-ce que ça marche bien, ça? Merde. Est-ce que ça marche bien sur son... Ouais, je sais, tu te répètes. Tu te répètes, Josiane. Ah, attendez. Ça marche bien, la baliste. Ceci, l'arbalète est quand même très efficace. Et boum. Oh. C'est quoi ce délire? Tu veux crever aussi? Fais pas chier. Yala, voilà, comme ça. L'entrée est bloquée. Ils savent que vous essayez d'entrer. Ah bon, tu crois? Les plans indiquent une trappe de maintenance sur le pont. Vraiment? Tu crois qu'ils savent que je suis en train d'essayer de rentrer? Et là? Ouh. Ah d'accord, depuis tout à l'heure. J'avais juste besoin de suivre bêtement. Mais le Narm il cherche toujours la complication. Le Narm aime la complication. J'ai cru que ça allait pas passer. Ok, on est bon. On est bon. Easy. Y'a quoi ici? Énergie corps. Là. Une carte. Attendez les gars, hein, attendez, hein, deux minutes. Je suis tout à vous, je sais qu'il y a des gens sur les côtés. Eh, pourquoi ils s'accrochent pas là? Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils bougent pas les mecs? Chut chut chut. C'était bizarre là. Pourquoi les mecs ils bougeaient pas? J'aime pas quand ça se comporte pas comme d'habitude. Ah, j'ai compris, jumping puzzle. Easy. Ceci étant dit, il y a une petite jeton là. Donne-moi le petit jeton. Ah. Toujours le petit coup de poing d'avant prise de jeton. Armure plater, nickel. Et on a un secret par ici. Ah non, c'est pas un secret. Non. N'hésitez pas à consulter, oui, pour voir ce que vous avez découvert. Je sais, je veux... Passe. Je veux savoir ce que j'ai eu. Le BFG 10000. Servant à l'origine de relais miniers, sacré relais, et de communication, l'avant-poste de l'UAC sur Phobos commença immédiatement à s'étendre suite à la destruction des bâtiments argent sur Mars. Le comité de direction de l'UAC, voulant à tout prix conserver son monopole sur la planète rouge et ses alentours spatiaux, ordonna la construction coûteuse d'une plateforme défensive. C'est assez gros, vous pensez? Le plan consistait à créer un canon à particules géant sur la Lune en orbite à l'aide d'une technologie dérivée du BFG 9000. Le BFG 10000, la plus grosse plateforme armée jamais construite par l'homme, est suffisamment puissant pour tenir tête aux plus modernes des vaisseaux capitaux, voire une menace démoniaque venue de l'espace. Je maintiens quand même que l'UAC à la base, s'ils ont fait des recherches sur l'énergie argent et tout ça, c'était pas pour aider l'humanité, je pense que c'était pour s'armer surtout et pour pouvoir avoir le contrôle sur
tout ce qui est militaire, certainement se faire du pognon. D'ailleurs, pour ça que le Doomslayer dit rien, mais que... il les apprécie pas plus. Wow, pas de bras, pas de chocolat. Oh, j'ai eu les deux d'un coup. Eh, dis donc, oh. Pas par derrière. Mais, va mourir. Oh, vite. Trop près. Waouh. Attends, toi, tu m'énerves. Non, attends. Voilà. C'est bien mieux comme ça. Il me donne sa vie. Aïe. Ah oui, donc les flammes, ça fait du dégât.